Vous fumez beaucoup? Moi, je prie souvent le ciel pour que l'incomparable effet de la nicotine se reproduise jusqu'à la fin des temps. Pour que ce bonheur-là ne meure jamais. Quelle situation étrange, vous trouvez pas? Mais ça doit venir de moi. Comme je dors mal, je suis épuisée, mes idées ne sont pas très claires. Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez, pas vous? Non. Je sais pas. Ce matin, j'ai eu un blanc. Un blanc? Je tombe amoureux de la première fille qui me prête attention. Mais je n'ai plus résisté, elle m'a séduit de mille et une façons. Un mélange de Xena, Claudia Schiffer, je suis choqueur. Elle est à la place du mort, quoi de normal pour son bonheur. Un mélange de Lara Croft et Diao Shan. Une fausse couche de réalité, ce que je pense caresser les divans, c'est trop abstrait. Car celle que je décris n'existe pas, c'est un fantasme omniprésent. Le présent lui appartient plus, mais je vis l'instant. Fin fantôme, ceci n'est qu'un énième tome. À croire que tu es composé de tellement d'atomes. Mais aucun n'est compatible entre toi et moi. C'est deux mondes qui nous séparent, c'est mort en somme. Aujourd'hui on est loin de tout, on n'a rien conservé de la romantique. Mis à part quelques règles de galanterie qui me rendent romantique. Tous les deux ce n'est pas pour la vie, c'est même sans éternel. Cela moins de le sait, le plus fort des liens c'est l'amour maternel. Un regard si limpide, la beauté d'une vierge, mais qu'une nymphe à la fois naïve et intrépide. Je cours après ce semblant d'elfe. J'ai épuisé tous les mots du Larousse, survolé tous les champs sémantiques. Ça serait mentir de dire que quelqu'un t'est identique. C'est un navire perdu dans l'Atlantique, une spéculation comme l'Atlantide. Tu prends l'attitude mais prends-tu le temps d'écouter mon titre? Dois-je organiser une cérémonie mortuaire? Emprunte ces marches à l'arc-en-ciel et rejoins mon sanctuaire. C'était quoi ce courant électrique? Fatis. Ce courant électrique dont j'ai parlé. Pas de mystère. Pratica. Je pense qu'on ne devrait pas traîner, j'ai peur qu'on reste coincé. Ça m'est arrivé une fois, heureusement c'était en été. On continue de rider. J'attends le printemps avec impatience, Marc, c'est où ça? Les bourgeons sont presque là, cachés sous la neige. Quand on se croirait dans un nid d'aigle perché quelque part au-dessus du vide, perdu au milieu de rien. Je vous embarrasse. Vous n'êtes ni ma mère ni ma sœur. Vous pouvez continuer. Vous êtes en sécurité avec moi.